Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Alors je vous propose un paysage vu du lointain pour essayer de travailler un petit peu justement les différences de plan et puis l'impression de lointain, voilà. Donc en référence, j'ai une photo d'un paysage de campagne que j'ai largement réinterprété. Bon, je vais vous le mettre quelque part par là quand même pour vous montrer un petit peu. Bah, en fait, j'ai tout changé pour ainsi dire. J'ai peint ce paysage sur du papier I Love Art 24-32, bah, grain fin toujours. Donc, si ce tuto vous intéresse, eh bien, je vous garde avec plaisir en ma compagnie. Alors, cette fois-ci, j'ai incliné mon papier carrément sur mon chevalet de table. On va voir ce que ça va donner au niveau de l'image. Hein, vous n'hésiterez pas à me dire si jamais ça vous gêne, parce que du coup, ça fait une perspective un petit peu faussée par rapport, bien entendu, au dessin de l'aquarelle. Je vais peindre le ciel surmouillé. Je vais donc poser de l'eau sur le ciel. Et en poser sur la montagne. Je vais juste continuer un peu l'humidité, plus vers le, je dirais le plein intermédiaire. Je vais laisser le, je sais pas, une minute pour que l'eau pénètre dans le papier. Je vais vérifier aussi qu'il y en a bien partout en inclinant mon papier. J'en profite pour mettre une pince pour tenir un petit peu la feuille sur le bloc de manière à ce que ça ne soit pas désagréable à l'image. Je vais prendre du... Alors j'ai choisi pour le ciel outre-mer. Outre-mer s'allie avec du sienne brûlée et aussi avec du violet. Pour l'instant, je vais commencer par outre-mer que je dépose délicatement du bout du pinceau, de manière à ce que ce soit les pigments et l'eau qui fassent le travail à ma place. Je rappelle que je suis surmouillée, donc j'ai peu de risque d'auréole. Je peux même repasser plusieurs fois. La montagne sera aussi en bleu outre-mer. Pour l'instant, je vais juste laisser couler le pigment. C'est pour ça que c'est important aussi d'être surélevé. Dans le bleu outre-mer, je vais mettre un peu de sienne brûlée. Donc voilà mon bleu outre-mer. Je mets un peu de sienne brûlée. Et je vais en déposer pareil du bout du pinceau. Si je pose trop fort mon pinceau, je vais probablement enlever de la couleur, donc j'y vais vraiment doucement. Voilà, j'incline éventuellement pendant que je peins ma couleur. Je peux même incliner aussi comme ça. Donc je vais revenir dessus, je suis dans le mouillé, il n'y a pas de problème. Même, voyez, même d'incliner, ça suffit. Et je vais juste poser une couleur un peu plus foncée encore, en prenant toujours outre-mer, terre de sienne brûlée, et je vais ajouter du violet Windsor, légèrement, juste pour faire une couleur un petit peu différente. Et je vais la poser comme si j'avais un nuage un petit peu plus lourd dans le ciel. Je vais incliner mon papier, par exemple comme ça, de côté. Et là, je vais le laisser incliner vers l'horizon de manière à faire descendre les pigments de ce lourd nuage. Et je peux bien entendu, si je trouve que ça fait un petit peu trop posé ici, par exemple, reprendre cette dernière couleur
pour poser un petit peu de couleur. Voilà. Et je vais à nouveau incliner mon papier jusqu'à avoir un petit peu le ciel qui me convient. Voilà, en l'inclinant carrément à l'envers, mes deux foncés vont se rejoindre, ce que je trouve qui va être un petit peu plus esthétique. Et si je suis satisfaite, eh bien je peux le mettre à plat pour le laisser sécher. Moi, j'essaie de couvrir un petit peu cette zone blanche qui fait un rond qui me déplaît un peu. Donc, je vais juste corriger en inclinant. Éventuellement, si ça ne suffit pas, je peux mettre de la couleur. Mais là, pour l'instant, ça me convient. Je profite pour enlever le surplus de couleur avec un pinceau propre et essoré, en le passant juste au bord. Je suis satisfaite de mon ciel, donc je vais partir vers la montagne. Alors je peux prendre, là voilà, j'avais ce gros pinceau pour le ciel qui va très bien, donc je vais prendre celui qui est un tout petit peu plus petit, ça, voilà, ça donne ça dans la main, parce que mes numéros sont effacés, donc c'est difficile. Je vais partir, donc, pour au loin, en espérant quand même que ça fuse, que ça se mélange un peu. Je vais faire donc ma montagne. Alors j'ai une montagne devant. Et j'en ai une au loin, qui est un petit peu plus pâle. Donc je vais jouer avec ces couleurs. Peut-être ajouter un autre bleu, par exemple, pour différencier un petit peu mes montagnes. Mais je reste vraiment très proche, étant donné que je suis au loin. Je veux peu de différence. Je peux rajouter du bleu Windsor, par exemple. Alors ici c'était sec dans le sec, ou dans le mouillé, ou près du ciel. Je peux faire courir mes couleurs l'une avec l'autre, ce qui est, je trouve, voilà, j'aime assez ça. Je peux aussi, avec un pinceau propre légèrement essoré, enlever de la couleur. Créer aussi du rythme un petit peu dans ma montagne au loin. J'essaye un petit peu de varier quand même les mouvements de mes coups de pinceau pour pas avoir plein de petits rectangles comme ça, par exemple. Je peux partir en bleu de cobalt, par exemple, aussi. C'est un bleu plus neutre, un peu plus lumineux, donc qui pourrait laisser penser que l'on s'approche quand même, plus du premier plan. Alors je pourrais revenir sur sec dans ma montagne au loin. J'ai plutôt envie d'ajouter de la couleur maintenant, vraiment pour que ça reste très fondu. Donc j'ai un vert très bleu qui traîne au fond de la palette. Je vais faire des petits ajouts de cette couleur, mais alors vraiment extrêmement léger, que je peux d'ailleurs revenir même fondre avec mon cobalt, avec mon outremer, pourquoi pas. Donc voilà pour cette montagne. Donc voilà pour cette montagne qui est bien floue. Je vais faire un vert bleu parce que je vais peindre ici, ce qui est un petit peu loin. Donc là maintenant la difficulté ça va être de varier ces verts. Je vais prendre vert Windsor, je veux pas un vert trop lumineux.
Donc je vais prendre vert Windsor et je vais le casser avec du violet Windsor simplement. Je vais tenter de le fondre quand même avec mon dernier plan. Et là, j'y vais un petit peu plus, je dirais, vigoureusement pour ce qui représente, ce qui s'approche un petit peu. Je veille à ne pas avoir des lignes trop nettes. Donc je floute tout ça. Je peux dans ce vert sans problème rajouter ma couleur un petit peu, je dirais presque de principale de base, c'est-à-dire le bleu. Des petits ronds pour laisser penser à des arbres, mais je vais les flouter pour pas que ce soit trop net, hein, on est quand même au loin. Donc je continue comme ça. Et je vais reprendre mon pinceau plus gros parce que je vais faire vert émeraude, qui je vous le rappelle est vraiment très lumineux mais un peu trop acide. Et je mets du rouge clair dedans pour le casser, je pense que ça va être bien. Et sur sec, ça va me donner un peu de graphisme, je vais faire cette bande de verdure qui est ici. Alors je le dessine de quelques arbres qui apparaissent. En peignant sur sec, la couleur ne prend pas partout et du coup c'est ce qui donne des graphismes assez agréables. Je ne vais pas passer d'une couleur à l'autre. Je garde mes couleurs. Mais je vais garder un petit peu l'idée de la photo qui a quelque chose d'un petit peu chaud. Donc je vais garder mes verts, mais je vais mettre plus de rouge clair dedans. Tout simplement. Pendant que c'est mouillé, je vais faire un vert plus foncé avec vert Windsor, bleu Windsor, violet Windsor et faire mes petits arbres qui j'espère vont bien flouter. Ce qui, j'espère, va donner quand même une direction
à ces plans un petit peu vides pour l'instant. Je vais le faire un petit peu plus clair et moins vif pour en rajouter ce qui est un peu au loin. Pareil, j'ajoute des petits arbres, plus ou moins bleus si je suis au lointain. De sienne pour ajouter quand même un petit peu de couleur. Deux choses avant de poursuivre, j'ai un petit peu bidouillé mon chevalet de table pour avoir un petit peu moins d'inclinaison parce que j'ai vraiment eu peur que ce soit pas très visible tout ça. Et la deuxième chose, c'est que j'étais interrompue pour un fait indépendant de ma volonté. Du coup, ça a séché. Alors, j'avais dans l'idée, moi, de tout faire dans le mouillé, de vraiment faire des petites touches après. Bon, bah écoutez, ça a séché. Peut-être que j'aurais pu d'ailleurs décider de le faire comme ça sur sec. Bon, là, du coup, l'occasion fait le larron, c'est comme ça. Donc, je reprends, je tente de réchauffer le premier plan pour donner plus de recul au dernier avec un S plan. Donc, je vais reprendre un petit peu de ce vert. Enfin, du moins reprendre un vert un petit peu chaud pour le premier plan. Non, c'est pas même pas assez chaud ça. Vous l'aurez bien compris, me revoilà sur mouillé. Et un vert Windsor, même vraiment beaucoup plus vert, hein. On est verdure. Aujourd'hui, pour le premier plan.
Donc je vais essayer de me dépêcher parce que je voudrais refaire mes petits arbres dans le mouillé. Je vais donner un petit peu plus de couleur par endroit. Alors, même prendre un pinceau plus petit, une aquarelle un petit peu plus pâteuse, je dirais. Pour donner une impression d'arbre, toujours. Hein, je suis toujours avec mes arbres qui me permettent quand même de bien séparer un petit peu ce qui pourrait être un grand fouillis en fait. En espérant que l'humidité fasse le travail comme je l'attends. Alors j'aime bien le vert, je sais pas ce que ça donnera à l'image, parce que c'est pas toujours, et même souvent loin de la réalité, mais j'aime bien ce vert, c'est vert Windsor, bleu Windsor, et j'ai mis une touche de rouge clair. Je vais juste grossir un petit peu mes taches qui représentent les arbres si je suis un petit peu plus près. Je pense que j'ai oublié de le dire, mais il y a une lumière qui vient de gauche, donc je vais travailler un petit peu sur la gauche, à enlever par-ci par-là de la lumière, à enlever de la couleur, entre autres. Par contre, en rajouter. Voilà. Il me reste à donner des petits points par-ci par-là pour donner encore plus une impression de lointain. Donc, je vais commencer. Je vais commencer devant. J'aime bien quand même que ça suive comme ça, donc alors, c'est pas forcément des arbres, ça peut être quelque chose de plus petit, même si c'est devant. Alors je suis bien loin de mon image de départ. Moi, je cherchais juste une photo comme ça, un petit peu panoramique. Je vais bleuir un petit peu ce vert parce que je vais m'éloigner. Donc je vais reprendre du cobalt, un petit peu vert, je vais mettre un petit peu de vert dedans quand même. Et faire des petits points. Alors c'est bien aussi un pinceau bien sec, on prend un peu de couleur. Et surtout au lointain, on peut frotter comme ça délicatement. Ça donne un graphisme différent et puis ça permet d'y aller doucement. Pour donner cette impression de lointain qui est un petit peu quand même le but de cette aquarelle. C'est bien ça, on lave le pinceau, on l'essuie
Et comme ça, on fait vraiment à sec. Attention quand même que la couleur soit à votre convenance, une couleur un petit peu éteinte pour le lointain. Et bleu, je pense quand même. Bien entendu, si c'est trop foncé, vous revenez avec de l'eau. Un pinceau propre, tant qu'à faire. Rien, j'ai mis mes doigts dedans. Alors, je peux quand même rajouter un petit peu de terre de sienne. Je vais y aller mollo quand même, parce que je suis vraiment dans les verts. Et on peut l'arrêter là. Vous pouvez, si vous êtes satisfait et satisfaite, tout à fait vous arrêter maintenant. Pour couper un peu. Et pareil, on peut très bien avec le terre de sienne et un pinceau sec, revenir par-dessus. Écoutez, on peut continuer, hein, on peut continuer, mais je vais m'arrêter là. Je voulais une vidéo un petit peu courte. Dites-moi si vous préférez un format un petit peu plus court. Parce qu'après, en fin de compte, c'est à vous, vous pouvez continuer. Notamment avec un pinceau plus petit pour faire d'autres détails, par exemple, qui vont structurer votre composition, parce que la difficulté ici, ça va être de donner de la structure. Donc on peut reprendre des traits, par exemple, ou des lignes. Voilà, donc dites-moi si vous préférez un format plutôt court ou plutôt long. Des fois, j'ai l'impression que c'est dur, hein. Vous le savez, c'est mon éternel problème. Est-ce que c'est trop long, etc., etc. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était un sujet sympa à vous montrer pour si vous voulez faire des paysages, pour donner donc cette impression de lointain par la couleur et puis par les formes. Voilà, j'espère que cela vous a plu. J'espère vraiment que cela vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.